plus jeunes ne le savent pas toujours, mais le nom de l'émission Touche pas à mon poste est un hommage à Touche pas à mon pote, célèbre slogan de l'association antiraciste SOS Racisme. Et à partir de là, en fait, il se lève et il me dit « Mais retourne dans ton pays de sale immigré de merde !» Alors face au racisme, à l'antisémitisme et au cyberharcèlement, quelle solution ? La question du vivre ensemble, c'est ça concerne chacun. Les actes antisémites sont eux aussi en pleine expansion. L'antisémitisme, c'est vraiment les logiques de bouc émissaire. Le racisme a plusieurs formes. Ça peut être de l'agression physique, à l'agression verbale, et puis il y a toutes ces petites discriminations du quotidien. On n'a pas besoin de se faire tabasser pour être victime de racisme. Nous, on est en train de mettre en place un projet Salam Shalom Salut avec deux jeunes qui sont présents. Alors, et d'autres, justement, qui sont là derrière. Dan et Marwan, notamment. Ilan, merci d'être là. Salam Shalom Salut. Et c'est vrai que voilà, ils font des choses extraordinaires. Toutes les fins de mois de mars, on participe à la semaine d'éducation contre le racisme avec plein de jeunes. D'ailleurs, on les appelle à venir avec nous monter des initiatives. Merci d'être avec nous. Franchement, un grand bravo à ces jeunes. Sûr, et plus on est de fous, plus on rit. Et donc, j'appelle aussi tous les jeunes qui écoutent à s'engager à nos côtés, aux côtés de qui ils veulent, mais de s'engager au quotidien. Et c'est comme ça qu'on change la société vers le mieux. Merci Dominique Sopo.